Ouais, donc chaud, il paraît qu'il faut faire du rap tous les jours pour progresser super vite. Sauf que bah je sais pas trop quoi faire tous les jours, ça m'ennuie un peu. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ça te dit quelque chose ça? Parce que c'est le genre de mail que je reçois. Alors évidemment, hein, dans les mails, il n'y a pas la voix. Et j'ai pris ce timbre de voix exprès pour me moquer un peu. Mais dans cette vidéo, je vais te donner trois choses à faire quotidiennement où tu peux être sûr de progresser le plus rapidement possible dans le rap. Si ça t'intéresse, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et on est parti, let's go! Théo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo j'allais te donner trois choses à faire tous les jours pour être sûr de progresser très rapidement dans le rap. La première chose, ça va être d'écrire un couplet par jour. Un couplet par jour, 16 mesures. Alors là j'en entends en direct dire ouais mais c'est cool, mais attends, un couplet par jour, j'ai pas le temps, nanani, nanana. Écoute, c'est très simple, si t'es intéressé par le rap et si t'es motivé, les 1 couplet par jour, tu vas les faire très facilement. Tu vas forcément débloquer une heure de ton temps, principalement le soir. Au lieu de regarder un film, de regarder une série ou de geeker, tu vas pouvoir débloquer au moins une heure pour écouter des instrus et écrire un texte. Donc l'excuse « j'ai pas le temps », si t'es vraiment motivé, elle ne fonctionne pas. Après, peut-être que au bout d'un certain temps, écrire un couplet, tu seras vide, tu n'auras plus d'inspiration, et ça, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, écoute, ne force pas, mets de côté un peu le rap pendant 3-4 jours, une semaine, et reviens-y après, et tu verras, en général, bah, tu retrouves l'inspiration. Après, il y a des techniques pour faire venir l'inspiration, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc je te mettrai ça là, ça s'affichera quelque part par là. Mais en tout cas, écrire le plus souvent possible. La deuxième chose, ça va être de t'enregistrer. Le mieux, c'est tous les jours. Mais là, après, je peux comprendre, si tu vis pas seul, ou si t'as pas une pièce dédiée dans laquelle tu peux t'enregistrer, ça peut être compliqué, donc là, c'est quotidien au mieux, mais sinon, c'est au moins une fois par semaine. Pourquoi poser au moins une fois par semaine, au mieux, tous les jours, en t'enregistrant? Tout simplement parce que déjà, bah, ça t'aide à pratiquer. Donc, tu vas pouvoir tester ce qui est enregistrement, mixage, tout ça. Mais c'est surtout que tu vas pratiquer les flows et tu vas pouvoir les entendre. Pratiquer tes textes, voir ce qui va pas, les rectifier, voir ce qui va pas dans ton flow, les rectifier, voir ce qui passe bien, le réutiliser, voir ta voix, comment tu peux la retravailler, voilà, tout ça, tu peux le faire uniquement si tu t'enregistres et si tu t'entraînes. Donc voilà, au minimum, une fois par semaine, maximum, tous les jours, c'est le mieux. Enfin, dernière chose à faire tous les jours, ça va être de faire de la promo. Donc que ce soit de poster des choses sur les réseaux à propos de ta musique, de contacter des gens à propos de ta musique, il faut que tu en fasses un quart d'heure tous les jours. C'est pas beaucoup, un quart d'heure, ça te permet de juste contacter un site pour leur proposer un de tes sons, contacter des personnes pour qu'ils écoutent ton son, publier ton son. Voilà, des petites choses comme ça, mais un quart d'heure plus un quart d'heure plus un quart d'heure, eh bien, à la fin de l'année, ça fait, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait déjà un bon temps passé à faire la promo de ton son. Et mis bout à bout, ça devient hyper intéressant. Parce que, je vais pas te mentir, il y a beaucoup de gens sur Internet, ils pensent qu'il suffit de poster leur son sur YouTube et puis d'attendre que ça se passe. Et après, ils s'étonnent de pas faire plus de 100 vues. Bah, c'est normal. Il faut faire de la promotion en ligne. D'ailleurs, à ce propos, si ça t'intéresse, tu cliques ici et je t'offre une formation totalement offerte sur la promotion en ligne. Tu cliques ici et tu t'inscris et je t'envoie ça gratuitement par email. Et sinon, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker celle-là parce que je te l'ai pas dit, mais ça fait toujours plaisir. Et sinon,
À la prochaine. Allez, ciao!